Bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission culinaire du Festival Acadien. Je m'appelle Paul Timotte, ça c'est Shane Robichaud. Aujourd'hui, on va faire des fring-frangs. Donc, on commence avec des patates. So, Shane va nous plier des patates. Puis là, après ça, on va les râper. Non, si tu voyages autour du monde, il y a des produits qui sont vraiment similaires de des fring-frangs. Ça s'appelle des différents mots. En Suisse, c'est des rosti. Les Juifs s'appellent ça des latkes. Il y en a en Angleterre et en Irlande, des box cakes. Mais c'est tout vraiment, c'est la même chose. C'est des patates fricassées. C'est tout, c'est. Et puis là, je vais vous montrer comment ce que nous autres, c'était dîner ou souper, je les faisais souvent. Mon père, lui, aimait ça avec du poisson sec. Ma mère ne mangeait pas de poisson sec, so, elle, c'était avec du poulet ou de quoi d'autre. On se trouvait quelque chose d'autre à manger avec. Mais dans le restaurant, nous autres, on en utilise souvent. C'est pas souvent qu'on appelle ça des fring-frang, surtout si on n'est pas à la baie. Mais on appelle ça souvent des rosti. Des rosti, c'est de quoi que le monde connaît. C'est surtout mangé en Suisse. Puis moi, quand je voyage en Suisse, déjeuner, dîner, souper, j'en mange à tout le temps. En Acadie, tout le monde les fait différents. Il y a du monde qui met des oignons salés, il y a du monde qui met des oignons. Chez nous, c'est à des patates, du sel et du poivre, c'est à tout. Il y a du monde qui met une miette de farine dedans et tout pour les faire coller, puis s'ils restent bien ensemble. Moi, ça dépend de ce que je fais avec. Shane va en faire des recettes qui sont plus traditionnelles à ma famille. C'est à des patates, et puis ils sont fricassés, puis ils sont brassés. So, la patate va croûter, puis elle va se virer partout dans la fring-fring. Puis là, moi, je vais en faire. C'est que tu veux me plier une autre patate, Shane. Moi, je vais en faire que ça va être plus comme un pancake. Et puis, c'est ça qu'on utilise un petit peu plus dans le restaurant, parce que quand tu le mets sur une assiette, c'est une miette plus beau, c'est une miette plus formée, il y a une belle croûte, il y a une belle couleur. Et puis, je vais vous montrer que ça ressemble. Et puis, je vais vous faire trois différents mets, un déjeuner, un dîner, et puis un souper, comme qu'on servirait dans un restaurant. C'est de quoi qui est vite. C'est de quoi qui n'est pas cher à faire. C'est que tu as des patates, puis que tu as du sel et du poivre. Tu as tous les ingrédients. Si tu veux te faire un souper vite, c'est tout ça que ça prend. So, quand moi je les fais en pancake, c'est souvent que je vais mettre une miette d'oignons salés. Puis si je mets mes oignons salés, je mets pas de sel. À cause qu'il y a assez de sel dedans. So, tout ce que je mets, c'est des oignons salés et puis du poivre. Et puis, dès temps, je mettrai une miette de farine, dépendant sur ce que je vais faire avec. So, je brasse, puis je le ferai dans le bowl. Et puis, je brasse mes oignons salés dedans, puis je les laisse fricasser jusqu'à ce qu'ils se mettent, ils allaient coller ensemble. Sur la chaîne, il va les fricasser, pour une miette plus de chaleur. Et puis, ça va jusqu'à ce qu'il commence à bailler de la couleur. Le monde du beurre, de l'huile, ça ne fait pas vraiment de différence. Du beurre va te bailler une miette plus de goût, mais il faut faire attention quand c'est juste du beurre, à cause que le beurre va brûler. So, je vais vous montrer un déjeuner, un dîner puis un souper. So, pour déjeuner, c'est souvent qu'on appelle ça des hash browns aussi. Mais c'est des saucisses, un œuf et puis la fring-frang. Là, quand tu casses ton œuf, le jaune d'œuf va dans les patates. Puis c'est incroyable, le gras du jaune d'œuf, ça donne un goût incroyable. Pour dîner, j'ai fait mes petites fring-frang. Puis j'ai mis de la crème sûre ou de la crème fraîche, si vous en avez. Et puis là, du saumon fumé.
Puis là, je mets un petit peu de dill, un petit peu d'oignon, un petit peu de verre. Puis là, ça te fait une petite salade. Puis ça fait un bon petit dîner. Puis pour souper, les légumes, je me fais une grosse patate. So, là, je la fais tout le temps une. Alors, je la tourne au bord. Et puis, je me fais une patate. Un bon poulet rôti avec des végétables, un miette de gravy. Puis, ça te fait un bon souper. Là, pour finir notre fring-fring plus traditionnel acadienne, Shane va rien que la mettre sur l'assiette. Tu vois qu'il y a de la croûte tout le tour. Et voilà, ben merci pour nous écouter. J'espère que tout le monde se fasse des fring-fring pour souper de soir. C'est aisé, c'est pas cher, ça prend pas longtemps. Merci tout le monde pour nous écouter et bon appétit!